Numéro 9, Denis Lucas. Numéro 10, Chapard Jean-Claude. Numéro 11, Frère Dario. Numéro 12, Élis Jean-Luc. Numéro 13, Borchel Wiggy. Numéro 14, Théophile Michel. Numéro 15, Hernandez Harry. L'entraîneur, Pérez Philippe. Il est assisté de Liparo Jean-Louis. Vous les attendez, supporters du New Star, Jarikash. Numéro 4, Marguerite Jean-Marc. Numéro 5, Paul-Joseph Jean-Charles. Numéro 7, Yadir Jean-Michel. Numéro 8, Girard Franck-Olivier. Numéro 9, Formel Rémy. Numéro 10, Girard Xavier. Numéro 11, Hippolyte Eddy. Numéro 13, Bijou Eric. Numéro 14, Le Vrai Guy André. Numéro 15, Siani Joël. André Vénon, Tomirine Roger. Il est assisté de Madame Gotte Ginette. La partie sera arbitrée par Monsieur Vautier Bruno, arbitre international. Monsieur Vignerola Arthur, interrégional, deuxième arbitre. Le représentant de ligue, M. Galantine Michel. Le chef de table, M. William Georges. Les assistants de table, Mesdames Kazako Anita, Mademoiselle Jean-Charles Suzy, M. Yvon Jean, M. Malispine Hugues. Mesdames, Messieurs, nous allons vous demander de faire un dernier effort pour ces garçons. Je vous garantis le spectacle pour ce soir, à condition que vous le voulez. À nous, allez, vous, des équipes là, nous travaillons force. Des équipes là, allez, allez, allez.
Nous allons vous rappeler que cette présentation est interrompue car la Banque nationale de Paris, la Touma, qui est la base officielle de la compétition, Sport 2000, Coca-Cola, Radio Caraïbe Internationale, Auto Service Plus, GMA, Antesia, CGOS, Adidas, Pâtisserie René, Herz, Jari Cash, Yop, Sogwafi, Toyota et Groupe Digital. Eh bien, après la présentation des équipes, on se retrouve donc pour, dans quelques instants, le début de cette rencontre entre retour entre la CD Arbousier, le club Pointois, et le New Star, lui aussi un club purement Pointois. Nous allons d'abord commencer par faire un clin d'œil donc à la Ligue. C'est un petit peu notre coutume depuis qu'on a commencé cette retransmission des playoffs. Pour vous dire que la Ligue de basketball, c'est d'abord un nouveau slogan, la Ligue régionale de basketball, c'est le plaisir de jouer. Le basket, sport de l'an 2000. C'était le petit clin d'œil Ligue. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet pour vous dire que nous allons assister à la deuxième rencontre entre ces deux formations. Vous rappelez qu'hier, eh bien, on a connu donc le premier finaliste de cette phase finale des playoffs, c'est-à-dire l'Étoile de l'Ouest, le champion en titre, qui l'a emporté hier face à une bonne équipe du Redoutable de Max des Étages sur le score de 84 points à 75, 9 points d'écart à la fin de la rencontre. Donc le premier finaliste, c'est l'Étoile de l'Ouest. Et ce soir, peut-être que ce match va permettre de connaître le deuxième finaliste de ces playoffs 94. Je dois vous dire aussi que si, eh bien, ce soir, la CD était battue par cette équipe du New Star, il y aurait un match d'appui, revanche, qui se déroulerait dimanche dans ce même palais des sports de Pointe-à-Pitre. Et j'oubliais de vous signaler qu'encore un public bien nombreux qui est venu ce soir encourager les deux formations. Nous sommes au palais des sports de Pointe-à-Pitre. Le match a commencé depuis maintenant une minute et que le score est de 0 points partout. On va revenir sur la composition des équipes de façon individuelle. On commence par l'ACD avec en numéro 4 Aubertin, numéro 5 Rémy, numéro 7 Champard, numéro 9 Dolus, numéro 10, Champard, numéro 11, Frère, numéro 12, Ellis, numéro 13, Borchel, numéro 14, Théophile, numéro 15, Hernandez. Ces équipes sont entraînées, alors que vous entendez le public là, avec ce contre. Ces équipes sont entraînées par Perez, Philippe, Liparo, Jean-Louis, pour le New Star ce soir. Numéro 4, Marguerite, numéro 5, Paul Joseph, numéro 7, Nadir. Numéro 8, Girard, Franck-Olivier. Numéro 9, Forbin. Numéro 10, Girard, Xavier. Numéro 11, Hippolyte. Numéro 13, Bijou. Numéro 14, Nogré. Numéro 15, Siani. Ce sont des équipes qui sont entraînées par M. Roger Domiris et Mme Ginette Gott. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et j'ai peut-être oublié que nous avons notre consultant de toujours depuis ce début de ces playoffs. Je veux parler de Bernard Baltit, qui est une fois de plus ce soir venu nous donner son petit côté technique sur la rencontre. Je vous rappelle, c'est un ancien joueur de basketball. Et que depuis le début, Bernard, on ne peut pas dire que ça se passe mal. Tout à fait, ça se passe très, très bien. Amis téléspectateurs, bonsoir et bon basket sur Canal 10 avec cette rencontre ACD New Star. Et on espère avoir une très grande rencontre. C'est parti sous les chapeaux de roue, mais pour l'instant, le score est toujours de 0 à 0. Après pourtant 6 tirs de tenter déjà. Merci Bernard. Donc on va retrouver au cours de cette rencontre. Je dois aussi revenir peut-être sur des résultats alors qu'en fait il y a un petit temps mort là. Sur des résultats pour vous dire que l'AS Vatable a été champion de la Guadeloupe. L'AS Vatable a été champion de la Guadeloupe cadet, puisque l'AS Vatable a battu la CD sous le score de 87-75 et au match retour sous le score de 80-54. Les Bandello a suivi aussi en Benjamin. Ils ont gagné 68-48 et 61-46. Donc ils sont aussi champions de la Guadeloupe. Et qu'en minime, première demi-finale, c'était ACD New Star. 83 points à 56 pour la CD. New Star ACD, le match retour, 62 à 37 pour le New Star. Et que la CD est qualifiée pour la finale. Ensuite, deuxième demi-finale, CSM Racing 38-28 et Racing CSM 52-48 et que le CSM est qualifié. Voilà ce qu'on pouvait dire sur tous ces résultats que nous avons. Et nous allons maintenant rentrer avec vous vivement dans le match. Nous allons rentrer vivement avec vous dans le match. Alors que bon, les deux premiers points de la rencontre sont marqués.
Les deux premiers points de la rencontre sont marqués. Et que donc, pour le moment, c'est la CD qui mène par 2-0. Et que Nadir a failli se faire prendre le ballon par Frère. Et qui a un entre deux. Et que de l'autre côté. Que de l'autre côté, eh bien c'était Théophile qui s'est fait soigner apparemment. Il s'est ouvert l'arcade. Nadir à la récupération du ballon. Hippolyte pour la relance Marguerite. Marguerite avec Forbin, faute. Faute pour Elise. Et que, eh bien, c'est Théophile qui va peut-être rentrer à nouveau. Il a eu un choc tout à l'heure, il a eu un problème à l'arcade, il s'est fait soigner. Lancé franc pour Forbin, Rémi Forbin. Alors, l'arbitre, oui, on va procéder au lancer avec Rémi Forbin. La première tentative. Ah, il n'est pas très adroit, ça ne rentre pas. Deuxième lancé franc. Avec une contre-attaque rondement menée par Champard, qui se fait contrer par Nadir. Qui se fait contrer par Nadir, il y aura peut-être un lancer, certainement. Certainement un lancer franc. Champard. Mais le premier lancé. Le deuxième est mis aussi. Et on continue. Avec une belle passe intérieure là sur Nadir. Oh, ça rentre. Ah là, ce match semble rondement mené par à 100 à l'heure. Je ne me trompe pas, Bernard. Tout à fait. Le match est bien parti. Beaucoup de shoots manqués de part et d'autre, ce qui montre la tension et la grande agressivité en défense. Ce qui paraît nous annoncer une bonne rencontre. Ici Dario Frère avec le ballon à la main qui passe à Aubertin. Aubertin pour Dario. Dario qui tente de 3 points, qui ne réussit pas. Et ouais, Bernard qui s'improvise commentateur, c'est très bien. Hippolyte avec Marguerite. Marguerite qui ressort sur Hippolyte. Hippolyte à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de l'autre côté du terrain alors qu'il y a une faute de Forbin. C'était une récupération de Champard, Jean-Claude. Alors que on y va avec le... Aïe, 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 c'est Théophile qui récupère, mais qui se fait contre récupération Marguerite. Marguerite avec Hippolyte, Hippolyte Forbin. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Oh là là, quel contre. Avec une belle passe au Champard, ça sort. Aïe, 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 il n'a pas pu récupérer le ballon.
Et que là, le public... 4.3 en faveur du New Star. On joue depuis 15... On joue depuis maintenant eh bien 5 minutes de jeu. Maintenant, une rencontre qui promet, je le disais tout à l'heure, vraiment. Hein. Oui. J'ai fait un petit peu l'analyse. La CD a tenté 8 shoots à 2 points, 0 de réussi. C'est seulement au lancer franc qu'ils ont pu marquer. Et le New Star, un petit peu pareil, avec 2 tentatives de réussi. Ce qui dit qu'il y a une très grande agressivité et les défenses, pour l'instant, prennent le pas sur les attaques. Avec une passe intérieure de Frère à destination de Hernandez, ça n'a pas marché. Girard, Xavier, il rentre tout seul au panier. Non, il préfère ressortir sur Rémi Forbin. Avec Hippolyte, une super passe. Oui, ah, c'est beau ça, sur Girard. Ah, le New Star ce soir va être difficile à battre. Récupération encore pour Nadir. Nadir avec Hippolyte. Hippolyte avec Marguerite à 2 points. Ça rentre, ça rentre. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 9-3 dans ce début de rencontre. Là, bien individuel demandé par la formation de Jari Cash. Avec un contre. Aïe, 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 ça promet là. Le public ne s'y trompe pas. Le public ne s'y trompe pas. Et je vous disais que le public ne s'y trompe pas avec une faute pour Nadir. Une faute signée Dolus. Avec une passe de Dipolite sur Rémi. Rémi qui se fait contrer au dernier moment. Récupération de la balle pour Frère. Frère qui ressort. À la contre-attaque. Frère sur Dolus. Et qui a un passage en force. Et qui a un passage en force signalé par M. Vautier. J'avais oublié les arbitres. Oui, et ouais. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Eh bien, salut de M. Bruno Vautier, que vous connaissez. Il est international et accompagné de M. Arthur Vignerol, qui est un arbitre interrégional. Avec un temps mort, nous irons voir tout à l'heure ce que les entraîneurs vont pouvoir dire à leur équipe. Le New Star est très bien parti dans cette rencontre, apparemment. Oui, on peut même dire que l'ACD, pour l'instant, n'a réussi que 3 lancers francs sur toutes ces tentatives. 3 lancers francs, pas un shoot à mi-distance pour l'instant, on est entré. Ce qui prouve que le New Star est venu ce soir vendre très cher sa peau. Temps mort. Et que le public, une fois de plus, a répondu présent. Je ne cesserai de le répéter parce que sans eux, eh bien finalement, ça ne serait pas cette ambiance qui règne sur ce parquet du Hall des Sports depuis ces 4 jours. Et que si vous n'avez pas, si vous pouvez vous rendre au Hall des Sports, eh bien venez parce que c'est vraiment une ambiance super sympa. Hippolyte à la remontée du ballon pour le New Star avec Nadir. Nadir sur Forbin. Non, on peut faire donner sur Marguerite sur Forbin. Ballon pour la CD. Il a été touché au dernier moment par Forbin. On remonte le ballon du côté ACD avec Frère. Frère peut-être avec Dolus. Non, il préfère regarder le ballon. Ballon pour Ellis à 2 points. Ça ne rentre pas. Et contre, Hippolyte récupère. Hippolyte qui calme un peu le jeu, qui avec une passion à dire, il ressort, il n'a pas pu pour Forbin. Forbin Hippolyte. Hippolyte avec Forbin. Forbin passe sur. Sur Nadir qui a marché. La CD peut se reprendre avec. Avec Frère qui bien dirige la manœuvre, dirige l'équipe, il va rentrer tout seul. Il lâche le ballon, mais le ballon qui est contré.
Ah, ce soir, la défense du New Star fait vraiment fort là. Individuel dès le début, ça veut dire que les options sont prises là. Le score, vous voyez, 8 points à 3 en faveur du New Star. Et que nous jouons la 7e minute de jeu dans cette première mi-temps. Frère, une faute d'Hippolyte. Alors que bien, il y a des petits amours comme ça, on donne le ballon de côté, ballon pour Dolus. Dolus avec tout simplement Ellis pour Dolus. Et ça ne marche pas, récupération Girard pour Hippolyte. Hippolyte, Marguerite, Marguerite qui va rentrer tout seul. Ça rentre pas, mais bonne interception. Bonne interception d'Aubertin. Qui était accrédité d'ailleurs d'un très très beau match. Avec un tir à 3 points, c'est pas entré. Avec un tir à 3 points de Champard. Il n'est pas rentré, mais point accordé et faute à Nadir. C'est sa deuxième faute. Au lancer franc, on retrouve Borchel. C'est un one and one, c'est pas rentré, donc Girard récupère, il cherche Hippolyte, il le trouve. Hippolyte, avec une passe sur Girard, Forbin. Forbin, ça n'a pas marché. Et comme une faute, complètement bête. Et qu'on parle beaucoup, beaucoup dans la défense hein, du New Star. C'est un petit peu normal. Quand on joue en homme à homme, quand un joueur a laissé partir son attaquant, il doit le signaler et pour que l'autre le remplace. Avec une belle passe là. Oui, ça c'est beau ça. Très, très belle passe sur Dolus. Signé frère. Et qui marque. Et la petite avance qu'avait pris le New Star en début de match, eh bien, elle est très, très vite réduite. Parce que là, on se retrouve à 8-7, toujours pour le New Star, un petit point d'avance. Et que c'est la CD qui a le ballon avec Frère 2, on dit 2, combinaison, avec une faute. De Siani qui est rentré en cours de jeu. Frère. Et ça n'a pas marché là, la combinaison n'a pas marché. Ballon, peut-être un changement. Un nouveau changement, Marguerite. Non, c'est Forbin qui est sorti pour laisser sa place à Paul Joseph. Et alors qu'en fait, les deux équipes sont en individuel apparemment. C'est Girard, pardon, qui est rentré, oui, le grand frère Girard. Peut-être grand ou petit, je ne sais pas. C'est peut-être le psy. Il est plus grand que son grand frère. Et puis Paul Joseph à 2 points, ça rentre pas. Aïe aïe aïe, Elis. C'est pas Paul Joseph, c'est Siani, pardon. Oui, tout à fait. Avec Aubertin qui ne se pose pas de questions. C'est un bon joueur, lui. Il a marqué beaucoup de points lors de la première rencontre. La CD vient de passer au score, le New Star. Et qui encore quoi? J'ai pas bien saisi ce qu'il a accepté l'arbitre là. Peut-être 3 secondes, marcher, tout simplement marcher. Frère avec Dolus. Dolus à 2 points. C'est pas rentré. C'est Marguerite qui va peut-être récupérer.
Et ballon pour le New Star. Alors que notre ami Bernard Baltide essaie de nous faire un petit peu des stats. Les stats qui donnent en fait que sur 4 tirs essayés par Robertin, eh bien il n'y a eu qu'un seul qui est rentré, c'est bien ça. Marguerite a 2 points, ça a failli rentrer, c'est pas rentré. Récupération quand même. Il rentre tout seul au panier, il se fait contrer. Et récupération Robertin. Robertin avec un passage en force. Les Pompon Girls. Et qu'on revient dans le match avec Marguerite et une faute d'Aubertin sur Hippolyte. Ah, c'est agressif là ce soir, là, les défenses, on a dû vraiment resserrer les boulons. Non, ça c'est pas la faute de Bertin sur Marguerite, sur Hippolyte, c'est l'inverse. Faute d'Hippolyte. Ah mais j'ai cru voir monsieur Vautier siffler pour Hippolyte, enfin bon, absolument. Merci Bernard. Et c'est Frère qui a le ballon avec Ellis à 2 points, c'est pas rentré. Récupération quand même pour Aubertin. Robertin avec eh bien en individuel, c'est difficile de trouver un partenaire. On joue entre autres avec Ellis. Ça n'a pas marché et en fait ils commettent quand même beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Et quand le petit drapeau rouge le petit drapeau rouge qui flotte est déjà levé. 9-8 à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. 9. C'est pour, que je ne me trompe pas, c'est pour le New Star et 8 pour la CD. Et que Ellis est au lancer. Il réussit ses deux lancers francs et la CD qui confirme, qui confirme au score, on a un petit peu inversé la vapeur. Et c'est donc 11-8 le score entre les deux formations avec ce panier supplémentaire pour Nadir. Et un point d'écart entre les deux formations, 11-10 en faveur de la CD. Frère sur Dolus, Dolus à 3 points, c'est pas rentré, récupération eh bien Girard avec une contre-attaque rondement menée par, par Marguerite, ça rentre et le New Star passe devant une fois de plus avec un point d'avance, 12-11. Frère pour la CD avec récupération du ballon pour Girard, interception. Marguerite qui se fait ballon intercepté par la CD, mais le ballon sera quand même en faveur du New Star. On peut faire une analyse pour dire que nous jouons déjà la 11e minute de jeu, seulement 12-11, c'est très peu marqué, ça veut dire que les défenses sont vraiment très très agressives ce soir. Je crois que justement on l'a vu hein, sur les contres, sur les interceptions, sur tout ça, alors que Girard n'a pas réussi à donner ce ballon et qu'on joue. Aïe, 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 récupération de Marguerite, non, de Girard. Girard, interception, Nadir qui part tout seul. Et qui avait apparemment une faute là, mais ça n'a pas marché. Récupération, Nadir, oh là là, récupération encore Girard. Ça n'a pas marché. Aïe, 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 ça se bat dur sur le panneau, ça se bat beaucoup. Frère avec une sortie sur tout simplement Dolius. C'est pas rentré. Récupération Girard. Girard avec Hippolyte. Aïe, ça se bat. Je vous le disais. Ça va très 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 vite. Marguerite avec Nadir. Nadir qui met, oui. Ce n'est Nadir, c'est peut-être Girard. 14-11, 3 points d'écart pour le New Star.
Frère. Frère peut-être à 3 points, non, il pénètre tout seul. Avec une petite claquette. Petite claquette de Rémi. Et que la CD revient. La CD revient par l'intermédiaire de Frère. 15-14. Ils sont repassés devant. 14 à 15. Un point d'écart entre les deux formations. Match à suspense ce soir. Marguerite pour Girard. Girard qui se fait contrer par Frère. Et une faute. Signale Monsieur Linerol. Et que là, il y a ballon de côté. Pour Nadir, Nadir avec Marguerite à 3 points, ça rentre pas. Récupération Forbin, Forbin qui ressort pour Hippolyte, peut-être va tirer au shooté. Non, Marguerite avec Nadir à 2 points. Oui, mais il était tout seul, un bon moment d'ailleurs. Hein. Bizarre qu'on ne l'ait pas vu avant. Nadir, 2 points supplémentaires, 16-15. Et voilà la CD qui est menée maintenant d'un point d'écart. Contre-attaque avec tout simplement Hippolyte et Marguerite. Ça rentre. Ça rentre. C'est bien joué, passe et va. C'est comme ça qu'on appelle ça, Bernard. Oui, tout à fait. Une passe décisive, Hippolyte. OK. 18 points à 15. 3 points d'avance. Et un ballon perdu encore une fois. Alors que, eh bien, sur le banc de touche... Roger Domiris et Ginette Gott sont assez inquiets, mais leur équipe a le ballon. Ils mènent de 3 points maintenant, 18 à 15. Avec Hippolyte sur Nadir, Nadir avec Girard qui rentre, qui pénètre à 2 points, ça rentre, oui, sans problème. Alors, ça va faire 5 points. 20 points à 15. Et que de l'autre côté, c'est un petit peu le même topo. On n'est pas trop content des garçons, mais enfin... 5 points, ça se rattrape très vite en basket. Nous jouons maintenant depuis 14 minutes au Hall des Sports. 2 points à pitre et que l'équipe du New Star mène... Oh là là, quel contre! L'équipe du New Star mène par 20 à points à 15. Et que le ballon est mis de côté pour Robertin. Aubertin cherche un partenaire, il trouve tout simplement Champard qui cherche un partenaire. Champard avec Borchel. Shooter qui est rentré, Borchel sur Champard encore. Alors que interception, mais ça n'a pas marché. Champard à 2 points, ça n'a pas marché. Récupération et contre-attaque tout de suite avec Marguerite. Une faute de Borchel sur Marguerite. 2 points, 2 lancers supplémentaires. Peut-être l'occasion pour le New Star de... creuser un petit peu l'écart, 7 points d'écart. Et qui est un temps mort, on va aller écouter l'entraîneur de la CD pour voir un petit peu ce qui raconte à ce qui va raconter à leur facile. Ok, ça va qu'on a récupéré un ballon de vouloir finir tout seul. On a des mouvements. Non mais c'est pas pour toi que je dis ça, Jean-Claude. C'est pas sur ce coup-là. On a des mouvements collectifs, restez collectifs. Si vous voulez aider votre meneur de jeu, les ailiers, ne montez pas trop, laissez-lui de l'espace. Ok, n'arrête pas ton dribble trop tôt, les intérieurs, reprenez la place. On met la pression en défense. Ok, plus serré en défense. Il n'y en a que deux qui flottent, c'est les intérieurs. Les autres, plus de pression. Il faut revenir tranquillement. On a 40 minutes, les gars, il nous en reste encore 26. Ok, lucide. Allez. Lucide, disait donc l'entraîneur de cette équipe de l'AC d'Arboussier. Lucide, disait donc l'entraîneur de l'AC d'Arboussier, monsieur Philippe Pérez, que vous avez reconnu, et que Marguerite est au lancer franc. Le premier va sortir. Et pour ne pas me démentir, Bernard, il devrait mettre le second. On espère. Voilà pour le second.
Ouais, je veux dire. C'est bien. La CD remonte le ballon avec Borchel. Borchel avec Aubertin. Aubertin qui cherche un partenaire. Ah, le marquage individuel est vraiment strict. Mais il y a une belle passe. Mais c'est dommage. Une belle passe sur Champard. Et ça n'est pas arrivé. Récupération du ballon pour. Récupération du ballon pour le Nouster Hippolyte alors que le score est de 21 points à 15. 6 points d'avance pour la formation du Nouster Hippolyte. Hippolyte avec Marguerite. Marguerite qui donne directement le ballon. ça. Alors là c'est bizarre, c'est complètement bizarre. Champard à la contre-attaque. Aubertin à deux points, oui. Il est très très adroit. Très très adroit. Hippolyte, on emballe un peu le match là. Et voilà, la CD est revenue à 4 points, 21-17. Pas sur Forbin. Et faute. Non, et faute tout à fait. Et point accordé pour Forbin. Et qui va avoir droit à un lancer supplémentaire. Et je vous dis pas, je vous raconte pas l'ambiance qu'ici à World of Sports. Déchaîné. Déchaîné. Et que Rémi Formel se retrouve pour un lancer franc supplémentaire. Va-t-il le réussir? Oui. 24 points à 17 pour l'équipe du Nostar. Pour les amis téléspectateurs qui nous prennent actuellement en cours, eh bien vous assistez à la rencontre opposant. La deuxième rencontre opposant. L'équipe du Nostar à celle de l'ACD dans le cadre des playoffs de basketball 94. Et qui a un tir à 3 points là qui est loupé par Frère. Et qu'actuellement, eh bien... Après avoir perdu le premier match, le Nouster mène par 24 points à 17. Il nous reste 4 minutes 53 à jouer dans cette première mi-temps. Intérieur sur Marguerite qui sort sur Nadir. Nadir avec Hippolyte peut-être à 3 points, non. Il préfère sortir sur Nadir qui force un peu son tir. Récupération Rémi Formin avec un contre. Mais c'est pas tout à fait un contre en fait, c'était assez, d'ailleurs assez bizarre comme geste. Et qui va peut-être même donner peut-être une... Non. Faute et deux lancers francs. Deux lancers francs pour Rémi Forbin. Il avait mis un tout à l'heure. Eh bien, on va voir ce que ça donne sur le deuxième. Monsieur Linerol et Monsieur Boutier se passent le ballon comme d'habitude et puis on donne au lanceur. Le premier est loupé. Le deuxième peut-être alors. Mais il y a Nadia qui a récupéré et qui marque. 26-17, 9 points d'écart. Avec bien la CD, entre autres Champard. Champard qui tire à 2 points, c'est rentré. Oui, réduit l'écart. On remonte le ballon du côté d'Hippolyte. 26-19, je vous le disais, il reste 4 minutes 12 dans cette première mi-temps. Alors qu'Hippolyte a le ballon, qui cherche Girard. Non, il trouve Nadir. Nadir qui va peut-être ressortir, qui ressort sur Forbin. Forbin qui marche. Mais Bernard, il me semble quand même qu'au lieu de faire ces airplanes, comme on dit, avec sa taille et sa corpulence, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'il monte directement, Forbin? Il aurait pu monter directement, mais cependant, il avait Hernandez qui culmine à près de 2 mètres devant lui. Il fallait qu'il feinte pour le faire monter, mais ça n'a pas marché. Alors que le ballon donné aux acédistes de Darboussier, comme on dit, et que la remontée du ballon est effectuée tout simplement par Champard qui marque. Champard qui marque. Champard Jean-Claude parce qu'il y en a deux. Hippolyte, 26-21, on réduit l'écart, 5 points d'écart.
Avec Marguerite qui va rentrer tout seul. Ouais, avec la planche peut-être ça ressort, mais c'est dommage. Le ballon qui a tourné avec le cercle et que la CD est en train de revenir fort là. Avec un contre, contre de Girard, récupération. Nadir, Girard, il s'est bien bloqué là, ça rentre. Et qu'il y a un petit... L'arbitre qui vient discuter avec peut-être Nadir, peut-être a-t-il dit ou fait quelque chose. Et quand Théophile est revenu pour la CD. Chapard. Alors de l'autre côté, Chapard. Avec Chapard, l'autre. Alors que là, il y a encore une récupération de Girard. Hippolyte. Avec Nadir pour Girard. Il dépose le ballon. Ouais, c'est Girard. C'est Girard, Franck Olivier qui le met. Un Girard peut en cacher un autre. Alors que Madame Gott, elle met les mains sur la tête. Un tir à trois points, c'est manqué. Nadir. Ballon pour la CD. 30 à 21, 29 points d'écart. Et qu'il y a un ballon qui sort, Girard, pour Marguerite. Marguerite avec Nadir. C'est pas rentré, mais récupération quand même de Girard. Avec une faute. Alors que, eh bien, petite interruption, vous allez laisser apprécier donc les images et les joueurs. Ce sont des petites mimiques que l'on commence à connaître maintenant. Et que, eh bien, Girard Xavier est lancé, il ne va pas mettre. Non, il ne va pas le mettre alors que c'est un ballon donné à la CD. Certainement parce qu'on a démarré sur le racket avant que le ballon soit sorti des mains de Girard. Et qu'on revient, Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui. Sur le terrain, il y a deux Girards. Il y a Xavier Girard qui est en 10 et Franck qui est en 8. Mais actuellement, il récupère pratiquement tous les rebonds, que ce soit défensif ou offensif. Alors qu'il y a encore une faute. Et que là, c'est vrai que le match est emballé. Et qu'apparemment, je trouve que le New Star a une belle emprise sur cette rencontre. Et que si ça continue comme ça, eh bien, ils vont certainement remporter cette rencontre. Mais nous n'en sommes pas encore là, puisque il y a 9 points d'écart, 30 points à 21, et qu'il y a deux lancers supplémentaires pour Nadir. Le premier, il a réussi, ça fait 10, 31-21. Le deuxième. Ah, le deuxième, ça marche pas. Mais récupération, ça n'est toujours pas rentré. Toujours pas rentré. Et la CD qui récupère. Avec Chapard. Qui va rentrer tout seul. Et il la met. Et il la met. Et que le Nusa remonte le ballon par l'intermédiaire d'Hippolyte. Hippolyte avec Marguerite à 3 points, peut-être ça rentre. Oui. Alors là. Alors que...
alors qu'il y va peut-être avoir un temps mort. Non, Bernard ? Non, il y a eu une faute technique sifflée à l'encontre de Nadir. Faute technique, on le disait, avec deux lancers pour Aubertin. Il met le premier. Il est très très adroit ce garçon, très adroit. Et voilà, il met les deux. Girard. Nous sommes à 1:15 de la fin de cette première mi-temps. 1 minute 15 de la fin de cette première mi-temps. 34-25, 9 points d'écart toujours. Avec une interception de Champard qui va peut-être jouer. Non, il la met tout seul, ça rentre. Nadir. Avec un temps mort, on va peut-être aller essayer de voir ce que raconte, ce que va dire le New Star à la formation, pour la formation du New Star avec Madame Gott et M. Tomiris. Écoutez, écoutez, on a 7 points, 1 minute. Et dit, tu mets en place les combinaisons. Vous travaillez les stats pour que Jean-Marc puisse se démarquer. Ok, si ça passe pas, pivot. Tout le temps chercher la situation et pénétration tout le temps. Okay. La défense de Singola CD va faire. Les gars, vous devez faire des passes, pas de dribble sur les lignes de touche. Bon, ne laissez pas Edison en zone arrière, pas de passe sur les lignes de touche, pas de dribble sur les lignes de touche. Attends, excuse-moi. D'autre part, vous négligez trop le centre, la pénétration se fait à ce niveau-là. Pourquoi vous ne flottez pas par rapport à la balle? Ok? Flottez, opposé, kill tout le temps au fond. On a 7 points, on ne doit pas perdre cet écart-là, les gars. La contre-attaque est plus rapide aussi. Avec temps mort donc de Roger Tomiris et Ginette Gott pour expliquer qu'il ne faut surtout pas perdre l'écart. 7 points d'écart. Il reste 1 minute 25 dans cette première mi-temps. Hippolyte a le ballon pour le New Star. Alors une passe intérieure sur Girard avec son frère qui ne marque pas, mais. Une récupération pour bien l'autre qui marque. Ça fait 9 points. 36-27 à 34 secondes de la fin de cette rencontre. La CD avec Aubertin qui va peut-être tirer à 3 points lui, non? Va rentrer tout seul, il tire, ça ne rentre pas. Récupération Nadir. Nadir qui remonte le ballon. Avec Marguerite, Marguerite Girard. Avec une récupération et un super contre. Avec un autre contre pour Marguerite. Qui redonne sur Champard qui ne marque pas. Avec une faute. Une faute de Hernandez. Deux secondes de la fin du match. De la fin de la première mi-temps, ouais. 36-27 entre les deux formations, toujours c'est 9 points d'écart Bernard. Alors une première mi-temps palpitante finalement, puisque le New Star est venu avec vraiment une âme de conquérant. Oui, beaucoup d'agressivité, beaucoup de débauche d'énergie, car il y a eu etc. de tirs de loupé, ce qui prouve que les défenses ont pris le pas sur les attaques. Et la CD qui a peut-être demandé un autre temps mort pour gérer ces deux dernières secondes. Non, c'est le New Star qui a demandé le temps mort. Et que vous pouvez apprécier au passage, eh bien, les demoiselles. C'est les Pompom Girls. Tamar fini, 2 secondes de la fin du match. 2 secondes de la fin du match. De la fin de la première mi-temps plutôt. Je suis déjà à la fin du match moi carrément. Il y a un one and one au profit de Girard Franck-Olivier. L'occasion pour lui peut-être de porter à 10 points, même peut-être 11. 10 points. Le premier n'a amené pas réussi. Aubertin qui tire et ça n'a pas marché. Score à la mi-temps.
c'est 36-27 pour 36-27 à la mi-temps entre ces deux formations. 10 minutes de pause pour ces garçons. Et on va peut-être demander à l'un des joueurs une réaction, notamment peut-être Aubertin. Deux petits mots. Aubertin, certainement le meilleur marqueur, en tout cas pour l'équipe de la CD. Le Nusar est venu ce soir en conquérant. Comment vous voyez la rencontre? Évidemment, on savait déjà que le Nusar reviendra en conquérant. Donc, on va essayer de gérer le match pour avoir les 3 points. Pour avoir la victoire. Merci. Bien, amis téléspectateurs, on va se retrouver tout à l'heure, dans quelques minutes, pour la suite de cette deuxième mi-temps entre la CD et la Nusar. Nous voici de retour au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre pour cette deuxième mi-temps. Apparemment, ce sont les 2-5 majeurs qui sont alignés. Théophile est revenu, c'est Super Glu 3, je ne me trompe pas. Avec Nadir et tout ce beau monde. Récupération tout de suite au Bertin. À la mi-temps, je vous le rappelle, le score était de 36-27. 9 points d'écart entre les deux formations. Alors que Frère a fait une tentative, ça n'a pas marché. Récupération Marguerite avec Nadir. Nadir qui marque. Et que la barre des 10 points est franchie maintenant. C'est même 11 points. Peut-être avec Aubertin à 2 points. Il passe tout seul. Avec un contre de Girard. Récupération pour la CD. Non, récupération pour le Nusar, dit M. Lignerol. Avec Girard, Marguerite. Marguerite qui pénètre avec Girard à 2 points. Et Nadir n'a pas pu récupérer le ballon. Théophile à la contre-attaque, Aubertin. Aubertin et faute de Girard, Xavier. Alors, on va faire un petit tour du côté des statistiques. Alors là, c'est des statistiques complètement officielles. Hein, on peut dire ça. Bernard a bien travaillé pendant la mi-temps. Et on n'a pas, comment dirais-je, IBM pour faire tout ça. Mais en fait, on va tenter de un petit peu expliquer le score qui a eu donc à la mi-temps. Je vous le rappelle, 36-27, on va faire du Nusar. Bernard. Ok, tout à fait. Donc pour le Nusar, sur les 36 points marqués, il y a eu 3 tentatives à 3 points, dont une seule réussie. 35 tirs à 2 points, dont 15 de réussis. 10 lancés francs, 3 réussis, ce qui fait 36 points. La CD a tiré 7 fois à 3 points, 0 réussite. 27 fois à 2 points, 11 réussites. 7 lancés francs, 5 réussis, ce qui fait 27 points. Ce qui fait une moyenne vraiment très basse. Hein. Alors, statistique, Bernard Batti d'IBM. Merci. Et nous sommes repartis dans la rencontre avec Nadir. Intérieur sur Girard qui pénètre, redonne sur Nadir. Il a été contré là et il récupère quand même le ballon. Et avec Girard qui récupère le ballon, une faute de Théophile. Faute de Théophile et ça se bagarre dur sur le panneau. Girard est au lancer franc. Il rentre, le premier rentre. Le deuxième. Il rentre aussi. Ah, une petite ascendance là pour le Nusar, hein, avec 40-27. 40-27, ça commence à faire beaucoup, Bernard. Oui, mais ça vient de démarrer, donc il faut attendre toujours. Il n'y a pas suffisamment encore de points pour dire qu'une équipe a déjà gagné. Cependant, le Nusar s'en prend un léger avantage. Il y a quand même 17 points d'écart. 13 points d'écart. Avec Girard à 2 points, ça rentre. Ça fait 15 maintenant.
Alors que la CD est carrément KO debout pour le moment, mais il est possible qu'il revienne rapidement dans cette rencontre. Avec Aubertin contre de Marguerite. Aubertin encore contré. Et panier pour Théophile. Pour Hernandez, pardon. Hippolyte. Hippolyte avec Marguerite. Qui tire et ça rentre. 2 points. Frère, alors qu'on joue la contre-attaque et que pour le moment ça marche. Panier accordé. C'est la phase descendante. Girard pour Hippolyte. Nadir avec Hippolyte. Hippolyte Nadir. Avec, on sort pour Hippolyte à 2 points. C'est un peu court. Récupération signée Hernandez. Hernandez avec Hernandez qu'il se retourne avec Dolus, oui, qui est rentré en cours de jeu aussi, Dolus. Et une faute. Ça va valoir deux lancers francs à la CD, peut-être leur permettant de revenir un petit peu à la marque en tout cas. 44 points à 31. Le premier réussi, 44-32. et 9 points d'écart. Il descend en dessous de la barre des 10 points. Hippolyte. Il va rentrer tout seul. Marguerite, Girard, récupération Nadir, c'est Hippolyte qui récupère, qui ressort son Nadir. Nadir qui marche. Borchel. Avec Dolus, Borchel. Borchel, toujours, il pénètre. Dolus à 3 points. C'est pas rentré, récupération Girard. Marguerite. Marguerite à 3 points, c'est pas rentré. Il récupère quand même le ballon. Et ça rentre pour Nadir. Borchel. Hippolyte a intercepté. Avec une faute de Borchel sur Hippolyte. 44-46-33, pardon. On joue la 5e minute de jeu. Le panier est accordé, plus un lancé, peut-être. Monsieur Vautier? Non, là, il va donner deux lancers francs à Hippolyte, à Eddy Hippolyte, le meneur de jeu de cette équipe du New Star. Alors que monsieur Philippe Pérez n'est pas vraiment content, il a raison. Hippolyte ne met pas le premier. Le deuxième. Et que le deuxième est accordé pour Hippolyte. Borchel. Borchel avec Dolus. Dolus de l'autre côté qui récupère le ballon, mais là il y a une faute de Forbin. Il va y avoir un changement au niveau de la CD. Rentrée de Champard, Jean-Claude, à la place de Borchel. C'est lui qui a le ballon, Champard. Champard avec Aubertin. Aubertin qui est à 50% pratiquement à la mi-temps au niveau des tentatives. Et que là, il ne met pas récupération du ballon. Nadir. Non, c'est Girard. Récupération quand même Aubertin. Aubertin avec Champard.
Alors que la défense est vraiment agressive et que Marguerite commet une faute. Commet une faute sur Aubertin. Petite précision, Bernard. Oui, je disais aussi quand on regarde, que ce soit au niveau du New Star ou de la CD, il y a pas mal de joueurs encore sur le banc qui n'ont pas encore joué. Interception, Marguerite ira tout seul au panier. Avec une faute de Champard. C'est sa troisième. Le premier lancé pour Marguerite. À ce jeu-là, en général, il est très adroit. Marguerite était à combien, Bernard, au niveau des pourcentages? 50% aussi. Et le deuxième aussi. 49-33. Champard remonte. Champard toujours à 3 points, c'est pas rentré, récupération. Hippolyte. Hippolyte avec Nadir. Nadir, ça n'a pas marché. Avec un ballon pour le New Star, avec Nadir. Hippolyte. Et une faute à Hernandez. Faute à Hernandez. Bernard. Oui, le match aussi va peut-être se jouer sur le nombre de fautes occasionnées par les différentes défenses. Merci. Le premier lancé pour Nadir. Ça rentre. 51-33. 50 points à 33, pardon. Le deuxième. Sans problème, 52-33. Bel avantage quand même pour la formation du New Star qui est revenue conquérante en cette deuxième mi-temps. Tout à fait. Là, nous voyons que la CD part des tirs à mi-distance, essaie de remonter. Mais toujours cette maladresse et cette inefficacité. Sortie pour Marguerite à 3 points. Ça rentre. Alors qu'il y a, un temps mort demandé, on va aller écouter l'entraîneur de la CD, monsieur Pérez. Parce que la CD, en ce moment, prend l'eau. On se met à 4, en 4 en dessous, et on prend Marguerite. Ok, on a 14 minutes pour récupérer les ballons, les gars. On va pouvoir remonter le score, je veux qu'on revienne. On va beaucoup trop vite et on n'est pas assez bon à l'intérieur. Le 7, il est toujours pénétrant. Jouez en zone à 4 et boîte sur Marguerite. Faites attention au 7. Ok, prenez le risque d'être toujours un gars sous le cercle quand la balle est à l'opposé. En attaque, allez finir les ballons à l'intérieur. Démerdez-vous à finir à l'intérieur. Ok, à l'intérieur. Prenez le bon choix au bon moment. Voilà. Vous allez trop vite. Il faut marquer tout ce qui traîne maintenant. On n'a plus le droit à l'erreur. 14 minutes, on a le temps de revenir. Ok, on a le temps de revenir, c'est intelligent. Allez, Michel, tu changes avec Jean-Luc. Ok, prends que lui, tu ne prends que lui, que le 4. Vous l'avez entendu, c'est assez simple à résumer. Marquage individuel sur Marguerite, le shooter à 3 points de cette équipe. Ainsi que beaucoup plus de passes intérieures, apparemment. C'est ce que vient de dire monsieur Pérez, Philippe Pérez, entraîneur de la formation de la CD, parce que là ça prend un petit peu l'eau, 54 points à 33. Et qu'une fois de plus, eh bien, c'est Forbin qui récupère avec Girard Hippolyte. Hippolyte sur Nadir à 3 points. C'est pas rentré, récupération signée Champard. Champard contre-attaque.
Et que Hippolyte s'est peut-être fait mal, non? Pour récupérer le ballon? Non. Alors qu'on est revenu dans cette rencontre et que ça va être difficile quand même, Bernard. 21 points, effectivement, ça sera difficile. Surtout que le New Star va maintenant faire tourner au maximum et gérer ses 21 points. Que de tirs ratés de la part de la CD. Et là encore une contre-attaque avec Nadir qui rentre au panier. C'est joli ça, mais ça sort. Nadir qui ressort sur Hippolyte. Hippolyte toujours. Hippolyte avec Marguerite. Va jouer avec Nadir. Nadir avec une mauvaise passe, mais le ballon va sortir pour le Noussa. Une interception qui n'a pas Hippolyte. Nadir. Hippolyte. Nadir. À 3 points, ça ne va pas rentrer. Avec ballon pour le New Star. 54 points à 33. Sous le regard attentionné d'un spectateur. Forbin. Qui marque pas, récupération signée, Hernandez avec une contre-attaque, rondement mené par Champard qui donne de l'autre côté, ça rentre, le panier donné à Bolus, ouais, Hippolyte, Hippolyte toujours, Hippolyte avec Marguerite, ballon pour l'ACD. Il a été bien pris en on appelle ça en sandwich pratiquement. Sandwich, ouais. Champard avec Aubertin. Le terme technique, c'est une prise à deux, quoi. Ok, merci Bernard. Prise à deux. Et un passe intérieur avec une faute de Girard. Le point au niveau du score, 54 points à 35. Et qui a un temps mort qui est demandé par le New Star. Il reste 11 minutes 27 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Je vous le rappelle que si le New Star gagne ce soir, si le New Star gagne ce soir, eh bien on aura droit à une belle dimanche avec les Pom Pom Girls. Ça met de l'ambiance dans un match de basket. Ouais, c'est vrai qu'on devrait venir un petit peu. Il y a peut-être que le New Star actuellement qui le fait. Mais je crois qu'il faudrait venir un petit peu pour un petit peu, comment dirais-je, relancer l'équipe. Je crois que ça fait plaisir, ça fait... Ouais. Et que c'est tout simplement Elise qui se retrouve au lancer franc. Il marque le premier. Il manque le deuxième et il y a 18 points d'écart entre les deux formations, 54-36. Hippolyte à la remontée du ballon sur Girard, qui ne met pas, mais récupération en Forbin. Et le ballon qui ressort pour Champard. Champard avec Aubertin à deux points.
Ça rentre. Il a la patte, lui, hein, ce soir. Hippolyte. Hippolyte Nadir. Hippolyte encore. Nadir, qui pénètre. Récupération pour Champard, contre-attaque. Marguerite va intercepter, ouais. Interception de Marguerite, il remonte à toutes enjambées tout seul. Hippolyte. Hippolyte à 3 points, ça ne va pas rentrer. Mais récupération de... Il y a une petite faute et il y a Seferbin qui marque. Attention, ça va de plus en plus vite. 3 points, c'est pas... ça n'a pas réussi. Aubertin. Aubertin, peut-être avec Champard. Aubertin qui loupe. Corbin. Avec un panier, c'est dommage ça. C'est dommage ça. C'est pas grave. Hippolyte. Alors que le public se réveille. Le public se réveille. On va siffler un changement du côté de, du New Star avec la sortie de Forbin, la rentrée de l'autre frère Girard. Et que Marguerite a le ballon. Marguerite avec Hippolyte. Hippolyte reprend son rôle de distributeur. Nadir, alors qu'il y a la limite des 30 secondes, Bernard, c'est ça? Tout à fait, ils ont trop tardé pour shooter et donc ils se sont fait pénaliser. Il faut 30 secondes de shoot. Et si on pouvait faire un plan sur le chronomètre, ça aurait été bien. Ben là, le chrono, comme vous voyez, eh bien, il est enclenché à chaque fois que la formation adverse a le ballon et qu'il faut shooter dans la limite des 30 secondes. Avec un panier supplémentaire. Bernard, oui, le commentaire. Oui, je disais que Nadir a fait une super passe décisive pour... le frère Olivier Girard. Oui. On continue avec le ballon à Hippolyte, toujours pour le New Star. Mais alors là, c'est Girard. Le New Star est déchaîné ce soir. Nadir, plutôt. Il ne le met pas, il le récupère. Et il y a faute. Faute de Champard. Sous le regard attentif de M. Vautier, l'arbitre international de cette rencontre. Lancé franc pour Nadir. Le premier. Oui, sans problème. Le deuxième, oui, sans problème. Et là, je peux vous dire que le score en dit long sur ce match. 63 à 42 en faveur de l'équipe du New Star. Et que le ballon est pour l'ACD maintenant. Avec Golus qui marque. C'est beau ça, c'est très très beau. Petit layup là. Siani est rentré en cours. Le jeu, Girard. Girard qui va ressortir pour Hippolyte, ouais. Hippolyte sur Girard. Qui se retourne, il se ressort sur Hippolyte.
Peut-être un shoot à deux points. Ça rentre. Ah, le New Star qui réussit tout ce qu'il entreprend ce soir. Presque tout. Ah, merci. Presque tout dit Bernard. Oh, ben attends, peut-être un petit peu trop individuel ce soir, mais peut-être que celui qui a la patte aussi, et pourquoi pas. Delus. Delus avec Champard. Champard avec Aubertin à 3 points. Ça rentre. Hippolyte. Pour la relance. Avec Siani. Siani pour Hippolyte. Hippolyte à 2 points, une fois de plus. À 3 points plutôt. Non, ça rentre pas. Et une faute donnée à Franck-Olivier Girard. Et toutes les petites mimiques que vous voyez, eh bien c'est pour expliquer à la table de Marc ce qui se passe en fait sur le terrain. Elles étaient signées Monsieur Vautier, l'arbitre de cette rencontre. Alors qu'il y a peut-être un changement. Oui, un changement. Nadir qui est sorti, qui a laissé sa place à Bijoux. Et que Frère est revenu aussi sur le terrain. Frère avec Aubertin. Aubertin qui ressort un contre. Girard. Avec Hippolyte. Ah, ça c'est beau, c'est du beau basket. Bijoux. Bijoux avec Girard. Girard avec Bijoux. Hippolyte. Siani. Qui a pris la limite. Ballon pour Frère. De l'autre côté pour Aubertin à 3 points. Ça rentre pas, mais récupération sous les panneaux. Et re-Aubertin. Avec une faute encore à Franck-Olivier Girard. On va regarder du côté des fautes ce que ça donne. Il reste 6 minutes dans la deuxième mi-temps, 62 points 47, un avantage conséquent acquis par le New Star. Et Coubertin rajoute un point supplémentaire pour son équipe. Il a droit à un deuxième lancer. Ah, il est bien à droit, hein, Coubertin ce soir. Heureusement pour son équipe d'ailleurs. Hein. Hippolyte. Avec Siani qui passe, ça rentre pas, récupération, Siani encore, ça rentre toujours pas, Aubertin a récupéré. Contre-attaque immédiate, on cherche le meneur, on trouve Frère. Bernard. Le score est redescendu à 13 points. 13 points d'écart, ouais, 62-49. Tout est encore possible pour les deux équipes là. Faut faire attention à ces 5 dernières minutes de jeu. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de jeu. C'est peut-être les 2-3 points aussi, enfin le 3 points notamment d'Aubertin qui relance un peu la machine. Avec un bras roulé, c'est beau ça. Et que là. La CD a l'occasion de descendre en dessous des 10 points. Avec cette mauvaise passe. Frère qui rentre tout seul. Récupération du ballon pour le New Star. Et qu'on va remettre, les pendules à l'heure avec des changements par Tomiris et... Le ballon pour le New Star. Là, je suppose que le banc a dû dire de faire tourner la balle au-delà des 30 secondes et de jouer intérieur pour assurer des points. Avec une faute de Girard, c'est sa quatrième, il me semble.
C'est sa deuxième. Ah ben c'est ouais, deuxième faute. Avec Frère. Frère pour la CD. Aubertin à 3 points peut-être, non. Il peut faire tirer à 2 points. Ça rentre. Ah, c'est un garçon qui est très adroit ce soir. Et la CD qui revient petit à petit sur son vis-à-vis. Marguerite. Frère qui prend le ballon pour la CD. Avec Delius. Récupération Girard. Hippolyte. Hippolyte Girard. Girard encore. L'autre frère, Hippolyte. Une passe sur Nadir. Avec une interception. Delius. Et une faute à Xavier Girard. La CD revient bien là quand même. Hein. 9 points d'écart, tout est possible. Maintenant la pression sera sur le New Star qui devra gérer ses 9 points et s'organiser pour faire des fautes et assurer la victoire. Comment on espère le play, écoutez ça. Temps mort. 62-53, 4 minutes de la fin, tout est encore possible. 9 points d'écart, on va voir ce qui va enfin une rencontre palpitante, Bernard, je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est bien pour le spectacle. On est reparti maintenant pour jouer les 4 dernières minutes de jeu. Avec le ballon pour... Delius. Le premier rentre. Alors, on a assisté un petit peu à la minute New Star tout à l'heure. Et puis là, on assiste à la minute ACD. Hippolyte. Alors que le public se réveille avec une passe sur Nadir et faute. Faute Delius. Sous le regard impassible que vous avez eu tout à l'heure de M. Franklin Bichara. Avec une interception, non, Marguerite récupère le ballon. À 3 points. Ouais, ça va rentrer ça. Marguerite qui retrouve sa patte. Le public est déchaîné. Avec 3 points contrés là. Récupération Girard pour Hippolyte. Hippolyte avec Nadir. Nadir qui s'en va tout seul. Il donne sur Girard qui tergiverse un peu. Récupération Hippolyte. Hippolyte avec Girard. Girard avec Nadir. Nadir à 2 points. Une passe sur Girard encore. Un shoot. Ça rentre. Ça rentre. Encore une passe décisive là. Avec une interception Hippolyte. Interception Hippolyte assure Girard avec les deux frères qui s'entendent bien. On rejoue. Oh, il est tout seul. Il le manque. Il le manque. Et Nadir qui le manque. Et quelle faute de Marguerite sur Frère. Ou peut-être le contraire, on va voir. Ouais, non, c'est bien ça. On repart avec Aubertin. Et une faute de Girard supplémentaire, ça doit être sa troisième. Aubertin qui va se retrouver au lancer franc. Un one and one. Et que là, eh bien, le match n'est pas encore fini. Il n'est surtout pas fini. Le score, 67-55 en faveur du New Star.
et que le bon New Star eh bien, est impassible. La première est ici. La deuxième aussi. Pardon ? Il est à 100% au lancer franc pour la 100% deuxième mi-temps. Nadir, avec une faute. Une faute à Dolis. On disait tout à l'heure 12 points d'écart, ça a été réduit à 10, 67-57. 67-57 entre les deux formations. Il reste 2 minutes 25 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Le ballon est pour le New Star avec Nadir. Nadir avec Girard. Avec un contre. Robert, Dolus plutôt. Dolus à 2 points, ça ne rentre pas. Avec Marguerite et une faute de Bertin. Et que Hippolyte a pris un petit coup au passage. Et qu'on va assister à one and one pour Marguerite. Parce que les deux drapeaux rouges se sont levés. Le premier est réussi. Le deuxième n'est pas réussi, mais ballon pour le New Star. Avec Marguerite. Nadir qui le met, il le dépose, oui. Avec Frère. Robertin à 3 points. Ça rentre pas, Girard. Hippolyte. Hippolyte, Marguerite. Consort sur Nadir, Hippolyte. Girard qui prend tout son temps pour ajuster le tir, ça rentre pas. Et contre-attaque immédiate, Dolus. Avec un contre. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau. Un contre signé Franck-Olivier Girard. Ballon pour la CD. Avec une interception là de Nadir qui va jouer peut-être avec. Oui, Nadir reste un smash. Un smash. Nadir. Avec une. C'est une intentionnelle, ça. Je crois que c'est la disqualifiante. Disqualifiante, il est. Déjà la faute technique. Disqualifiante. La disqualifiante pour le frère. Faute disqualifiante pour frère. Faute disqualifiante pour frère. Absolument. Si vous n'avez pas compris, c'est exactement ça. Je n'avais pas encore bien saisi. Il y a d'abord une faute intentionnelle. Une faute technique, pardon. Et le joueur qui respecte, l'arbitre le disqualifie. Il est mis hors jeu. Voilà. Nadir. Au lancer franc. Et que là le match est joué parce qu'il reste 1:17 à jouer. Et que le ballon va retourner. Avec un troisième lancer.
Il ne rentre pas celui-là. Et que le ballon va retourner pour le New Star. Et un lancer supplémentaire. C'est 4 lancers francs. Celui-là, il est mis, ouais. 74-57. Avec remise à côté pour le New Star. Là, le match est joué, Bernard. On le disait tout à l'heure. Récupération du côté de l'ACD pour Ellis. Avec une interception de Girard qui remet le ballon, mais il est sorti. Ballon pour l'ACD. À 1-0-2 de la fin du match, 74-57. Je vous le disais, le match est joué. Nous entamons maintenant la dernière minute de jeu. Avec une tentative de Aubertin qui ne réussit pas. Et récupération Marguerite pour Hippolyte. Avec un ballon sur Girard, une belle passe. Interception signée Lelus. Lelus qui tergiverse quelque peu. Aubertin à 3 points, il est contré. Récupération Girard. Girard avec Marguerite. Il va peut-être prendre le ballon. Il tire à 3 points. Ça rentre. Ça rentre. Et que là, c'est la folie. C'est la folie. Aubertin. Tire à 3 points qui ne rentre pas. Récupération Nadir. 11 secondes à jouer. Nadir. 7, 8, 5, 4, 3, 2. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Victoire, 77 points par 55 de l'équipe du New Star. Il y aura donc une belle. Il y aura donc une belle. Il y aura donc une belle. Deux petites secondes. Alors, avec M. Pérez, l'entraîneur de cette équipe de la CD. La dernière fois, M. Tomiris, l'entraîneur adverse, me disait qu'il y aurait une belle. Ce soir, vous êtes fait surprendre par une surprenante équipe de New Star qui a bien fait son travail en défense. Oui, elle a bien profité du fait que l'arbitrage n'était pas bon. Enfin, c'est pas que l'arbitrage n'est pas bon, mais l'arbitrage tolère trop d'agressivité. Je vais offrir la cassette du match que je vais enregistrer chez vous à l'arbitre. S'il a un petit peu de conscience, il va regarder la diffusion. Il va peut-être apercevoir qu'il n'est pas si bon que ça. Bon, mais on a commis pas mal d'erreurs, nous, au niveau de la CD. Ce que je peux tirer de positif, c'est que l'équipe a quand même été bonne dans la deuxième partie, dans la première partie de la deuxième mi-temps. Je pense qu'on aura une très belle belle. Ça promet justement un match explosif, alors que vous avez vu un public vraiment pas acquis ni à la CD ni au New Star. C'est aussi comment dirais-je, un encouragement supplémentaire pour tout le monde. Oui, il y aura un match qui nous permet de jouer normalement dans la règle et l'esprit du basket. Pour l'instant, l'équipe qui est la plus agressive gagne. Bon, ben, faut faire avec. Je crois qu'il faut en tirer des conclusions de ce côté-là aussi. Merci. Donc Olivier. Donc Olivier Girard, le joueur, donc l'un des pivots. On va demander aussi à Nadir ses impressions en même temps. On se tourne vers la caméra quand même. Alors, comment dirais-je, une rencontre que vous avez rondement menée au niveau des pivots pour Girard, au niveau des ailiers pour Nadir. Ça s'est passé comment en fait? Vous les avez asphyxiés carrément? Non, c'est qu'en fait, on était passé complètement à côté du premier match. Puis on était revenu aujourd'hui avec des fermes de gagner. Nadir, un match exceptionnel quand même parce que vous marquez beaucoup beaucoup de points. On a fait des statistiques, vous êtes à plus de 50%. La motivation est revenue peut-être après ce petit écart sur le premier match. Ben après le match de mercredi, on était dos au mur. On avait une solution, c'était de gagner et de gagner d'une belle manière pour que dimanche, on soit en pleine confiance et casser des doutes dimanche. Merci beaucoup. Et que nous allons donc faire, on va peut-être faire l'interview de Madame Gott concernant la formation de l'ACD, du New Star, pardon. Alors, Madame Gott, nous avions eu avant-hier Monsieur Tomiris qui nous disait que vous iriez à la belle. Là, apparemment, ce soir, ça s'est super bien passé. Les garçons sont rentrés très très vite dans la partie, ils se sont vite débordés l'ACD.
bien qu'à un certain moment du match, on a cru qu'ils allaient revenir, mais là, c'est une belle victoire. De toutes les façons, nous nous sommes préparés pour des playoffs. Nous nous sommes préparés pour un match, premièrement. Deuxièmement, c'est sûr qu'il arrive une mésaventure à n'importe qui. La dernière fois, il y a eu un incident, nous l'avons réglé et ce soir, nous sommes venus au combat et nous l'avons gagné. Alors, ça promet une super belle dimanche. On va retrouver donc toute l'équipe encore peut-être plus motivée. Nous serons motivés jusqu'à dimanche et après dimanche s'il le faut. De toutes les façons, les deux équipes sont à égalité d'énergie sur le terrain. Maintenant, il faudra jouer au basket vraiment pour savoir de manière intrinsèque qui est le plus fort et qui gagnera. Merci Madame Gott. Alors encore donc sur cette finale quoi. La CD a gagné le premier match. L'équipe du New Star a gagné ce soir sous le score de 77 points à 55. Il y aura donc une belle qui sera entre ces deux formations donc dimanche soir. Et que eh bien nous allons voir avec toute l'équipe sportive de Canalis. Nous avons été très heureux de vous retransmettre donc cette rencontre une fois de plus en léger différé. Un grand merci à Rony, à Jean-Marie et ainsi qu'à à Christian à la réalisation et puis au cadre. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. J'ai beaucoup parlé ce soir. Merci et bonsoir.